Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des firmes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne vais pas trop parler parce que à la fin de mon allocution, je vais vous partager quelques images pour expliciter un peu ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il y a eu une première génération qu'on peut décaler qui est passée. Il y a eu la génération Arafat qui se maintient encore. Mais il y a la génération DJ Moasco, Safari Le Biang, Ariel Chiné. Et je vous prie d'abord, avant tout propos, de soutenir tous les artistes de la nouvelle génération, y compris les anciens. Mais cependant, j'ai envie de vous donner un conseil. Souvent, écoutez bien ce que Héritor vous dit. Je ne veux pas votre mal, je ne veux pas le mal de notre coupé décalé, je ne veux pas le mal de notre showbiz ivoirien. Certes, je peux comprendre la douleur que vous ressentez chaque fois quand vous êtes en face de celui avec qui votre artiste n'était pas en de bon thème. Je peux comprendre votre colère. Mais ce que je vous demande, c'est d'avoir un grand cœur. Un cœur rempli de pardon. Un cœur rempli de tolérance parce que il faut soutenir ce qu'on a actuellement. C'est vrai. Notre regretté frère est tristement parti. Nous en sommes toujours peinés. Mais il faut se concentrer sur l'avenir. Est-ce que c'est en détestant certains artistes que ça va arranger notre coupé décalé? Ou bien, la question que j'aimerais vous poser, à part votre artiste, la musique arrière ne doit plus exister, à part vos artistes que vous soutenez, il n'y a pas d'autres artistes qu'on doit soutenir? Il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Parce que, je vous dis aujourd'hui, ce que vous détestez aujourd'hui-là, si le pire arrive, si le pire arrive, vous aurez encore vos yeux pour pleurer. Vous allez regretter. Parce que DJ Arafat, si vous vous rappelez bien, était présenté comme le plus mauvais du coupé décalé. Mais au fond, on a remarqué que tout le monde aimait DJ Arafat. Tout le monde aimait DJ Arafat. C'est peut-être ses réactions et son comportement que les gens prenaient comme alibi pour dire que je n'aime pas DJ Arafat, je ne suis pas fan de DJ Arafat, je ne l'apprécie pas. Mais à ce moment, on a vu que tout le monde était chinois, tout le monde était fan de DJ Arafat. Aimons-nous vivants comme l'a dit Kejivara. C'est une phrase qui est simple, mais elle est bourrée de sens. Aimons-nous vivants. Ce n'est pas quand le pire va arriver, on va dire que hey, si je savais, pourquoi je le détestais gratuitement? Pourquoi je ne l'aimais même pas? Pourquoi je ne lui ai pas donné mon amour? Ça ne sert à rien. C'est dès maintenant. C'est dès maintenant. On me parle de non, la plaie est trop fraîche, la douleur est trop récente. Je sais, j'en suis conscient comme vous. J'ai une tête, j'ai une cervelle, je réfléchis comme vous. Mais je vous dis de faire ce qui est bon et pour vous, et pour l'artiste, et pour notre Côte d'Ivoire, et pour notre showbiz ivoirien. C'est très important. Ne me voyez pas en pasteur, mais je dis seulement ce qui est bon, ce que je trouve juste. Il faut soutenir Safari Le Biang. Il faut soutenir Ariel Chiné. Parce que ce que vous ne savez pas, une fois, je me rappelle, il y a un influenceur ou je ne sais pas qui là, je ne sais même peut-être que c'est un artiste, qui a dit que, même DJ Arafat l'a dit que, c'est vous qui transformez vos stars. Et ce qui est bizarre, la musique a une force. Tu peux détester quelqu'un et puis on met sa musique quelque part, tu es en train de danser. Or, au fond, tu dis que tu ne l'aimes pas. Tu vois comme c'est drôle, non? Tu vois comme c'est drôle. Vous dites que ça ne sert à rien de vouloir détester cet artiste-là. Vous les détestez, mais il y a des millions de personnes qui les apprécient. Donc pourquoi ne pas les apprécier tous ensemble? Pourquoi on ne se met pas nous tous derrière eux pour les soutenir? La pérennité du coupé décalé, ça ne dépend pas que de ces artistes-là. Ça dépend aussi de nous les fans, des mélomanes, des acteurs même du mouvement. Aimons-nous vivants, c'est très important. Je sais de quoi je parle. Quand je vous dis par exemple que Safari Le Biang ne s'arrête plus, c'est vrai, regardez ce jeune-là. Il enchaîne des concepts sur des concepts. Vous pensez que le studio dans lequel ils ont acheté la fête gratuite, il paye. Mais il paye pour qui? Il ne paye pas seulement pour que pour ses fans, il paye pour la musique ivoirienne. Il se bat pour la musique ivoirienne. Et qui dit musique ivoirienne? Déjà même que tu es fan de X, tu es fan de Y, là, les deux là on les met ensemble, ça représente la musique ivoirienne. Donc tu es fan de la musique ivoirienne. Ariel Chiné, il est sollicité actuellement. Là. On ne dira pas que, bon, il a beaucoup de gombo, que c'est grandeau, mais actuellement le petit est sollicité, il tourne. Ça ne sert à rien de se détester pour rien. Il faut se soutenir.
pendant qu'ils sont encore vivants. Parce qu'on n'aura que nos yeux pour pleurer. On n'aura que nos petits, petits yeux là pour pleurer. Et c'est pas ce que je désire pour notre showbiz ivoirien. Mes amis, écoutez bien ce que je dis. Et prenez note. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Ayez une grandeur d'esprit. Et répliez sur vous-même et dites que je lui pardonne. Parce que mine de rien, ce que ce jeune-là m'a dit dans la vidéo que je viens de regarder, c'est-à-dire cette vidéo-là, c'est pas faux. Ça sert à rien, ça sert à rien. Il n'y a pas de résultat dans ces détestés-là. Les seuls résultats dans l'affaire de ces détestés-là, c'est des guerres, des conflits, de la rancœur, de la haine. On va que se déchirer. Et puis notre musique va aller, notre musique ivoirienne, notre showbiz ivoirien va aller en petits morceaux. Et ce n'est pas ce que vous désirez, je sais. Soutenez Ariel Chiné. Soutenez Safarin Lobium. C'est difficile ce que je vous demande, mais continuez de soutenir. Parce que même celui qui vient de partir là, j'ai fait 1001 vidéos. Mes vidéos sont là, j'ai plus de 900 vidéos maintenant, peut-être 800 et quelques vidéos. Bon, vous n'avez pas peut-être assez de passe pour révisionner toutes mes vidéos, mais il y a des choses que j'ai prévenues, j'ai parlé. On disait que non, toi tu parles trop, tu n'es pas Dieu, c'est mamie, c'est l'auto. Et le pire est arrivé. Nous tous on a pleuré. Il dit que nous tous sans exception on a pleuré. Que ce sont des ennemis ou que ce sont des amis ou on a pleuré. Vous voulez qu'on pleure un autre encore? Bref, regardez un peu les spectacles de Safarin Lobiang et d'Ariel Chiné. Découvrez aussi le dernier concept de Safarin Lobiang à Oko. Le petit ne s'arrête pas. Et puis après à Oko, il y a un autre concept qui arrive encore. Franchement, il faut les soutenir. C'était ça la vidéo d'Irriton. J'espère que je n'ai pas frustré plus d'un. Et que vous avez aimé le message. Partagez la vidéo et puis bon visionnage. Yeah.